Coucou les cerisettes! Alors aujourd'hui on se retrouve pour un petit test et une dégustation de préparation bio pour gaufres et pancakes de la marque Lia Nature. Donc on va regarder les ingrédients déjà. Donc farine de blé, sucre de canne brut, poudre à lever, carbonate de calcium, de sodium et tartrate de potassium. Alors, je sais pas ce que ça veut dire, tartrate de potassium, mais bon. J'ai déjà mis mon petit gaufrier à chauffer, car nous, on va faire des gaufres. Donc, ingrédients à ajouter pour des gaufres. 270 ml d'eau, un œuf bio, 50 g de beurre. Et pour le pancake, c'est moins d'eau. C'est 160 ml. Donc... j'ai déjà fait préchauffer mon gaufrier. Il y en a pour 12 gaufres. Mettez la préparation dans le saladier. J'ai déjà fait. Ajoutez 270 ml d'eau. Mélangez à l'aide d'un fouet afin d'obtenir une pâte lisse. Donc j'ai mon beurre fondu, il est là. Et mon œuf, il est là. Donc je vous retrouve quand toute la pâte est prête. Alors j'ai versé le beurre fondu, l'œuf il fallait l'avoir battu un petit peu, donc voilà. Voilà une belle petite pâte à gaufres. Et maintenant je vais ouvrir mon gaufrier. Alors petite remarque au créateur de ce gaufrier, faut surtout pas faire un câble plus long que 50 cm. Hein. Voilà, donc mon gaufrier est bien chaud. En tout cas, au niveau de la texture, ça a l'air pas mal. Maintenant, c'est le goût. Je la laisse chauffer et je vais la déguster après et vous dire mon avis. Ciao! Donc, les voici cuites. Oula, j'ai pas mis assez. Elles sont alvéolées. Mais en tout cas, aïe, elles sentent bon. C'est chaud. Alors, je goûte pour voir ce que ça donne. Alors. Aïe, c'est chaud. C'est chaud. Aïe, aïe, aïe. C'est moelleux, c'est pas mal. Ça manque un petit peu de goût parce que moi d'habitude dans ma pâte je mets de la vanille. Donc là il manque le petit côté vanillé de la pâte à gaufres. Mais sinon elles sont pas mal. J'aime bien. Donc nous on va les manger avec du nocciolata. Mais nature, ça manque un peu de goût. Faut quand même manger avec quelque chose parce que sinon c'est un peu fade. Mais je suis contente, de la préparation, ouais, c'est pas mal. Donc ça existe aussi en financier, crème brûlée, brownies et blinis. Voilà, donc moi je l'ai reçu, vous pouvez le voir dans mon dernier haul Léa Nature boutique, j'ai reçu en cadeau, gratuit. Hein, je l'ai fait rapidement parce qu'en fait il périmait ce mois-ci. Mais voilà, c'est pas mal. J'avais essayé la crème anglaise, c'était vraiment un goût chimique, alors qu'il n'y avait aucun ingrédient chimique, mais il y avait vraiment un goût chimique dégueulasse. Et le fondant au chocolat était pas mal. L'entremets au chocolat, pas top. Donc voilà, c'est kiff kiff bourricot, quoi. Mais celui-là, il est pas mal. Je suis pas trop déçue. Et puis en plus, j'ai reçu gratos, donc voilà. Donc j'espère que ma petite vidéo test vous aura plu. Et je vous dis à une prochaine. Bye bye!